Edgar Hublin fils, mesdames et messieurs, a marqué l'histoire et qui me dit non. Surtout à si là. Et bagay ça a fait vraiment à analyser et on sait de monde que me prend très au sérieux. Qui a un micro qui a écrit. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour vous. Mais j'ai gêné en pile pour nous. De dès qu'il y a gré d'écoute qui a fait vidéo, qui a attardé sur question de l'eau. Boit de l'eau. Et aucun pays n'a pas suivi. Mais j'aime qu'on nous a sans contenu comme ça, sans un dent comme ça, sans un homme comme ça. Son bon faux monde. Bon faux haïtien. Ils n'ont pas de contenu. Ils sont vides. Ces hommes et femmes qui ridiculisent Edgar Leblanc à cause de cet incident malheureux, mesdames et messieurs. Moi, on honte pour nous. Que soit mon nous, moi, ouais, nous. Gardez-nous, m'tendez-nous. Même rire-nous. Je ne vais pas citer nous, non, nous, pour une raison. Mais vous vous connaissez. Vous êtes carrément laid. Vous ne faites pas honneur à ce pays. Et vous n'êtes pas haïtien. Haïtien, ce n'est pas seulement parce que vous êtes en Haïti, maman, papa, haïtien. C'est parce que vous campez pour défendre le pays. Vous campez pour défendre valeur pays. Je me suis dit hier, quand j'ai regardé le discours, je me suis rendu compte si j'étais contre l'eau le bois mal. Je n'ai pas vu ça. Je ne l'ai pas vu. C'est madame Sourou, depuis mon après-là, mais après, elle m'a dit, quand je suis tombé sur le blanc, je me dis, qui les a? Elle a voué le bon. Je me dis, waouh. Et puis, même quand elle est virale, sur TikTok, et quand il y a des gens qui font, pas nécessairement parce que, ils ont un bagage contre ça, non, parce que vous faites l'argent, vous faites TikTok, vous faites TikTok. Il y a du temps pour un peuple qui est fier, un peuple qui est capable de distinguer le faux du vrai, le vrai du faux, le bien du mal. Hein? L'essentiel à l'accessoire. Nous besoin ça. Et tout si là-haut, cap tourner Edgar Leblanc fils en dérision, franchement, vous devriez avoir honte de vous. Ok? Parce que le pays tout entier, ok? Et derrière Edgar Leblanc fils, qui a prononcé ce vibrant discours sur la tribune des Nations Unies, mesdames et messieurs, bravo à Edgar Leblanc. Et bravo aussi. Parce que vous m'avez écrit le discours ça. M'en vu qu'on qu'est-ce qui dit ça. Ok? Au-delà de questions d'être indépendance là. Mais haïtien dans Springfield, tu as besoin. Bon, autorité haïtienne qui te virée, gardé, qui te défend. Et en défendant les haïtiens de l'Ohio, eh bien, Edgar Leblanc fils a défendu tous les haïtiens qui sont victimes de racisme et de xénophobie à travers tous les États-Unis et dans le monde entier. Ça ne vous intéresse pas du tout? Donc, on est qui a un micro dans le monde, qui a une grande écoute, c'est ça qui est intéressant. Edgar Leblanc qui bon, bloc tombé sous lui. Hein? Faut nous gêner, monsieur. Monsieur, dame. Faut nous gêner. Faut nous gêner. Et puis, parlons de cette affaire de l'eau. Et là, on pensait que y a un problème de protocole qui posait. Nous d'accord avec ça. Hein? Ou va mettre un pot de l'eau, bon côté un président qui a parlé. Comment un pot de l'eau, un pot de l'eau. D'ailleurs, on est qui a parlé, qui a discours avec la boîte de l'eau. Parce que 15 minutes, il faut être capable de kembe. Mais comme monsieur Sonnet qui a pris un âge, il n'est pas assez hydraté, il a toujours un verre d'eau bon côté. Pour la paix, pas pour le boire vraiment parce qu'il soit de l'eau, mais pour le mouiller gorge lui. Ouais, je mets ton pot de l'eau devant là. Donc, également, un problème de service de protocole. Et là, il faut que je blâme, tu as dit, les gens qui ont une mission diplomatique à l'étranger. On va mettre ton pot de l'eau à côté. Parce que, pas oublier que ce sont prompteurs, l'appli. Prompteur, qu'on vit, elle se mettait, elle l'a passé.
Le temps que la voyage pour la prendre, pour la vider de l'eau, et bah, la balle quitte elle. Vous comprenez, Carlens? Son propre tête devant qui a défilé. Si pendant le vide, il y a partie de la ligne qui doit perdre dans le discours. Donc, au lieu de pour la vider, il doit se mettre la tête dans la bouche. Vous comprenez? Et là, il rend compte de ça. Et visiblement, monsieur, pas craqué, monsieur continue le discours. Ok? Il y a mon qui tape tout. Fin de parler. Donc après ça, monsieur va prendre l'eau, il va mettre non vert, libre. Il n'y a pas matière à scandale, à débat. Plusieurs côtés me passent, ils me disent, ouais, bagaille, Edgar, dit ça, là. Bah, Edgar, me dit, ça ne m'intéresse pas. Ouais, bagaille, Edgar Leblanc, me dit, ça ne m'intéresse pas. Chaque jour, il parle avec moi, il me dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça qui m'intéresse, c'est son discours vibrant. C'est ça le fait pour le pays. Même si ce n'est pas les inventel, même si c'est sur les pas de Jean-Baptiste Aristide, sur les traces de Jean-Baptiste Aristide de la marché. Ok? Voilà, il prend le vide de l'eau vers pour le bois. Ok? Il prend le vide de l'eau vers pour le bois. Il reprend. Ni. Ok? Il y a folie critiquer, hein, Wilbert. Folie attaquer le monde, folie critiquer le monde. Vous devriez avoir honte. Ok? Et Edgar Leblanc, fils, monsieur rentre dans l'histoire, ok? Ouais, toute carrière, monsieur fait, pas jamais dans l'histoire. Bon, là, monsieur rentre. Monsieur rentre. Et je le dis et je le répète, depuis la dernière, le dernier discours de Jean-Bertrand Aristide sur la tribune des Nations Unies, jamais il n'y a eu aucun discours aussi puissant, mesdames et messieurs. Je le dis et je le maintiens.